Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous présenter une chevelure. Donc, c'est une chevelure dans les bleus, turquoise et tout ça. Et bon, j'en ai déjà fait une petite partie. Et bon, je vais partager comment j'ai fait cette petite chevelure. Voilà. Donc, on va partir avec des turquoises et des bleus. Donc, voilà comment j'ai procédé. Donc là, j'ai fait le haut du cheveu, c'est-à-dire le haut ici, et dans les bleus, dans ces bleus-là. Et le bas de la mèche est dans les turquoises verts. Voilà. Donc, vous voyez, dans chaque mèche, c'est bleu, c'est ces couleurs bleues ici, par là, en haut. Et c'est ces couleurs comme ça, en bas. Voilà. Donc, je vais vous montrer, je vais vous dire les couleurs que j'ai prises. Et on va faire une petite mèche ensemble. Donc, on va partir d'abord avec le 6. Ah, j'ai pris les Prismacolor. Prismacolor et j'ai quelques Lightfast, mais bon, généralement, c'est les Prismacolor. Donc, j'ai pris le... Je ne sais pas si on voit... Le 649, c'est bleu. C'est bleu, mais je vois même pas ce qu'il y a marqué. C'est en blanc, je vois pas bien. Donc, c'est bon, c'est le 649. Donc, on va partir vers le haut. On fait des petites hachures comme ça. Hop, le haut de la mèche, vous voyez, elle est là. La mèche est en haut et ça, c'est le bas. Donc, on fait un petit peu comme ça. Après... On prend le 140, là c'est bleu outre-mer. On reprend vers le haut et on va un petit peu plus loin vers le bas. Voilà. Après, je prends le bleu cobalt, c'est le 661. Je continue, je reprends un petit peu plus haut aussi et je vais jusqu'au milieu de la mèche. Voilà, le milieu c'est à peu près ici. Donc voilà pour cette partie. Maintenant, on va faire le bas de la mèche. Donc, je prends le 180, c'est vert malachite. Donc, je vais foncer ici. Hop, un tout petit peu. Après, je vais prendre un autre, c'est le 185, c'est le bleu glacier. Je mets un petit peu aussi là, comme ça. Et après... Je prends le 181, c'est le vert malachite clair, que je prolonge jusqu'au milieu de la mèche. Voilà. Après, je prends un blanc. Alors là, moi, je prends toujours mes petits blancs drawing. Et je passe au milieu, je fonds un peu le milieu. Après... Je recommence, parce que bon, le blanc, ça blanchit un petit peu. Donc, je repasse un petit peu de premier bleu foncé, le deuxième. De toute façon, je marquerai les combos à la fin de la vidéo. Et un petit peu encore du bleu clair. Maintenant, je repasse. Où est-ce qu'il est ? Ça c'est lequel, je vais prendre le bleu glacier, voilà, là c'est le malachite que je fonce un petit peu là en bas, et après encore de nouveau le 181, le malachite clair, voilà, et vous avez la mèche de fait. Après, pour donner un peu plus de profondeur, moi je rajoute une pointe de noir pour encadrer un petit peu là, mais vraiment aux extrémités, quelquefois pour encadrer un peu chaque mèche, pour les départager. Voilà. On va faire une plus grande, parce que là, c'était une petite. Donc, on va prendre peut-être celle-ci qui est ici en haut, qui est un peu plus compliquée, parce que... Enfin, on va voir. Donc, je ne sais pas si je suis dans le champ, là. Je ne sais pas si on voit assez bien. Est-ce qu'on voit un peu mieux ?
peux pas. Non, voilà. Bon. Donc, on va. Je regarde bien parce que j'ai pas. C'est pas flou. On va descendre un peu. Bon. Je vais descendre un petit peu. Voilà. On va descendre un peu pour voir mieux. Et on va faire un peu comme ça. Voilà. Donc, on va. Là, je vois ce que je fais. Donc, on va prendre. Il est peut-être plus trop bien taillé. Voilà. Donc, on va reprendre le bleu foncé, le 649. On fait quelques petites mèches le du haut vers le bas. Donc, le haut, c'est toujours ces bleus-là. Hein. Après, je fais le 140 que je reprends, mais que je descends un peu plus dans la mèche, dans la chevelure. Et après, je prends le bleu glacier, bleu, oui, bleu, non, c'est bleu cobalt clair. Et je vais jusqu'à la moitié de la mèche, j'étire. Voilà. Maintenant, je prends les autres, le vert malachite, le 180, et de la mèche du bas, je remonte vers le haut. Et là où il y a des mèches un peu plus foncées, je fonce un petit peu aussi. Je vais prendre lequel maintenant, le bleu glacier, le 185. Je vais remonter aussi un petit peu. Donc, il y en a qui, le haut, c'est un peu plus bleu-bleu. Et le bas, c'est un peu plus vert-bleu turquoise. Hein. Et je fais ça sur toute la chevelure. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça. On va voir, on va essayer. C'est une expérimentation. J'ai dit, bon, pourquoi pas. Et maintenant, je prends le vert malachite. Et je remonte un peu, je fonds un petit peu, un petit peu de poussière là. Voilà, un petit peu plus clair que les autres, mais on va fondre et on va passer le blanc qu'on mélange entre les deux parties pour faire un fondu. Entre les deux. Voilà. Maintenant, je repasse une autre couche. Donc, je reprends toujours mon 149. Je passe en haut. Je fais des petits traits vers le bas pour faire les petites mèches. Quand il y a une petite mèche plus longue, plus foncée, je peux même un petit peu descendre un peu plus bas. Donc voilà, je prends le bleu outre-mer, le 140. Il n'est pas bien taillé celui-là. Pour les cheveux quand même, il faut que ça soit assez quand même bien taillé. Voilà. Je fais descendre un petit peu. Voilà. Maintenant, le petit bleu 661, un petit peu vers le bas. Maintenant, on va du bas vers le haut. On prend le 180, c'est le vert malachite. On remonte en faisant des petits traits aussi. J'ai envie de faire un peu des mèches un peu plus foncées. Voilà. Je prends le bleu glacier 185. Je vais remonter un petit peu. Et
le malachite clair 181. Et hop, je le fonds un petit peu avec le tout. Voir si ça va. Qu'est-ce que ça donne? Donc je vais mettre mon petit pointe de noir pour donner un peu plus de relief vers le haut. Et un petit peu là. Et là c'est pareil. Pour monter, pour départager un peu la mèche. Là où c'est le plus foncé, je mets un peu de noir pour donner un peu plus de relief. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Après, on peut passer le blender, lequel je peux prendre. Parce que là, je pense... peut-être que je ne prendrai pas un pour repasser par-dessus. Parce que j'avais peut-être envie de faire des reflets violets. Mais pour le moment... Non, c'est pas celui-là. Pour le moment, je reste comme ça. Pour le moment, ça reste comme ça. Donc, je vais un peu blender avec celui-là pour mélanger un peu les couleurs. Hop. Donc, ça fonce un petit peu. Voilà, ça fond un peu les couleurs. Un petit peu de poisson magique pour faire briller. Voilà, et voilà ce que ça donne. Et je vais procéder comme ça sur toute la chevelure. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura aidé pour vous donner une idée pour des nouveaux combos de cheveux. Donc, j'ai utilisé en tout ces trois bleus et j'ai mélangé ceci. J'ai aussi pris des light face que j'ai pas utilisé, mais que c'est le Perido et le turquoise green que je peux utiliser aussi pour faire quelques petites mèches différentes, quoi. Si ça fait un petit côté, bon, maintenant ça marche plus trop bien, j'ai lissé. Voilà, donc si on veut un petit peu faire mais bon, c'est 6 couleurs, le noir et le blanc. Voilà, voilà les couleurs que j'ai utilisées. Et ça donne ça. Voilà. Et ben, moi, je vais poursuivre. Je vais finir toute la chevelure. Et puis, peut-être que je vous la présenterai une fois finie. Voilà. Bonne soirée. Et puis, à bientôt. Fais de gros bisous et un gros petit cœur. Un gros petit. Gros. Bonsoir. Bisous, bisous.